Bonjour, bonjour mes chéris, bonjour mes beautés, comment vous allez? J'espère que vous êtes bien et j'espère que vous trouvez le temps pour vous. Moi, sincèrement, le dernier temps, je ne trouve pas du tout le temps pour moi. Ce que je fais quelques exercices sur le cou, un tout petit peu les masseterie, c'est tout. Vous avez vu qu'il y a un peu du temps que je fais pas des vidéos, mais il y a beaucoup de travail maintenant. J'espère qu'après Noël, on va se voir plus souvent. La vidéo d'aujourd'hui, c'est pour tout le monde. S'il vous plaît, les filles, regardez jusqu'à la fin cette vidéo parce que je vais vous donner un exercice très important aujourd'hui à faire, un exercice que tout le monde connaît, mais que ça va vous aider vraiment beaucoup pour changer votre visage. Alors, il y a beaucoup de mails que je reçois. Il y a beaucoup de mails dans lesquels vous me dites, Dorina, je travaille avec ton programme basique. J'ai pas trop de résultats encore sur le visage, mais j'ai remarqué qu'il y a un grand changement dans mon corps. J'ai pas du mal du tête. Il y a mon cou qui est beaucoup libéré. Je peux tourner plus légèrement la tête. Il y a pas de douleur dans le dos parce qu'avant j'avais toujours de douleur dans la nuque, sur le dos. Des mails de ce genre, je reçois tous les jours. Ce que je veux vous dire, il y a aussi une autre catégorie d'emails dans lesquels vous dites, Dorina, moi j'ai envie d'éliminer les poches que j'ai sur les yeux, mais toi tu m'as dit que je ne dois pas faire encore les exercices sur les yeux, je dois travailler la posture, je dois travailler les masseterres. Est-ce que je peux travailler mes yeux? Parce que j'ai essayé un exercice du programme avancé et là, j'ai vu un résultat tout de suite. Et moi, j'ai dit non, stop, il faut pas faire ça. Continue à travailler avec tes masseterres et l'articulation mandibulo-temporelle surtout et ta posture, ton cou. Ça, c'est la chose la plus importante pour la première affaire. Il y a beaucoup de vous qui ont compris ça, qui font tranquillement, sans être pressés, mais il y a beaucoup qui n'ont pas compris. Et il y a quelques jours que j'ai reçu un mail, je ne vais pas le lire parce que c'est un mail très long, mais je vais vous dire en deux mots. En fait, c'est Véronique, c'est une fille, une de mes abonnées, on s'est vu en consultation il y a environ 6 mois. Alors, elle m'a dit, Dorina, j'ai regardé pratiquement toutes tes vidéos, j'ai acheté tous tes programmes. Mais je vois que il faut travailler beaucoup avec le cou. J'ai compris l'importance. Sauf que moi j'ai un problème. J'ai des hernies discales, plusieurs, et une qui est située environ de la cinquième, sixième, cinquième, quatrième vertèbre cervicale, qui est trop grand. Et mon médecin m'a proposé de l'opérer. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que je peux faire tes exercices sur le cou ou pas? Et moi, j'ai dit, Véronique, regarde, si ton médecin il a dit que cette hernie discale doit être opérée, on n'a pas le droit de te faire beaucoup de mouvements sur le cou. Il y a quelques mouvements qu'on peut le faire, mais il y a quelques mouvements qu'on ne doit pas les faire, sinon on va la presser encore plus, cette hernie. Si vous avez des hernies discales, mais s'ils ne sont pas opérables, le programme basique, ce n'est pas une contre-indication, au contraire, c'est une indication. Parce que ce qu'on va faire, on va élargir cet espace entre les vertèbres, on va travailler bien les muscles et l'hernie va diminuer. Alors, j'ai dit, voilà, tu peux pas travailler avec le programme basique comme il est. Alors, ce qu'on va faire pour quand même travailler un peu, on va travailler une zone du ton visage qui est responsable aussi de beaucoup de déformations sur ton visage. On va travailler avec tes masseterres parce que cette fille a aussi, Véronique, en fait, elle souffre aussi un peu de bruxisme. Pas trop, c'est pas vraiment une diagnose qu'elle a, mais c'est des masseterres contractés et elles le sentent toujours. Alors moi je l'ai proposé, on va faire une planning spéciale pour toi, on va choisir les exercices du programme basique dans laquelle on va se concentrer, se cibler sur tes masseterres. Et en général, pas seulement les masseterres, mais en général avec l'articulation mandibulo-temporelle. Ok, elle a dit voilà, alors on va faire, si on peut pas travailler sur le cou, on va travailler alors le visage. Il y a quelques jours, comme je vous ai dit, je reçois son mail. C'est un mail très très long. Un jour, peut-être, je vais vous le lire dans une live, peut-être, quand ça va prendre plus de temps. En fait, il m'a dit, Dorina, tu sais, finalement, je vois, il a travaillé pendant 5 mois environ avec les exercices que je lui ai donnés.
Elle a dit, j'ai une amélioration générale sur mon corps. Je me sens débloquée sur beaucoup des parties de mon corps. Même le cou, il est plus léger. Je peux faire beaucoup de mouvements. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Et je suis allée chez mon médecin. J'ai dit, voilà, regardez, on va faire encore une fois une radio pour voir cette hernie. Si vous décidez de l'opérer, alors on va l'opérer parce que, voilà, j'ai fait des exercices avec quelqu'un, avec moi en fait. Et je me sens beaucoup mieux et peut-être j'ai décidé de faire son programme entièrement, mais pour ça je dois pas avoir cette hernie discale. Le médecin, ils ont fait la radio, le médecin il a regardé, il a dit, mais vous savez, cette hernie elle est beaucoup diminuée. Et il y avait une autre qui était plus petite, qui devait pas être opérée, et elle est disparue, il y a pas. Et alors il m'a demandé, Dorina, est-ce que le travail avec les exercices que tu m'as donnés sur cette articulation, peut dans quelque sorte influencer ça, je pense pas, mais est-ce que c'est possible? Et là, je lui dis, Véronique, tout de suite, oui, pour ça, je vous ai donné les exercices pour travailler sur cette articulation. Et là, je vais vous dire une chose très importante, les filles. Les muscles de la mastication, ce sont les muscles qui sont responsables beaucoup de fois des déformations qu'il y a dans le corps. Pourquoi? Parce qu'en fait, notre fonction, la fonction, je ne sais pas si on dit la fonction éminente, plus importante de notre corps pour se maintenir en vie, c'est de mâcher, c'est de pouvoir manger. Même le bébé, quand il est né, il a besoin tout de suite de se nourrir. Et les muscles de la langue, de la bouche, ils sont très développés pour qu'il puisse manger. Okay? Et pour ça, la même chose. Notre corps, beaucoup de fois, il va s'adapter à cette articulation. Si par exemple, vous êtes une personne stressée et vous serrez toujours les mâchoires, vous savez que les muscles de la mastication, ce sont les premières qui agissent au stress. Encore, on mange. Quand on mange de la nourriture trop dure, les muscles de la mastication se contractent à chaque fois. Ça veut dire que si avec le temps, ces muscles vont rester dans une spasme comment dire, chronique, dans le spasme chronique, toute cette articulation, elle va changer. Les mâchoires, comment dire, ah, j'ai oublié le mot, c'est pas grave, j'ai oublié le mot, l'occlusion, voilà, de la bouche vont changer. Alors notre corps, parce que la première vertèbre cervicale, il est lié, la colonne vertébrale, il est lié tout de suite, vous voyez, il est lié tout de suite à cette articulation. Et beaucoup de fois, comme mâcher, c'est notre fonction du corps éminent, sinon on peut mourir si on ne mange pas, on peut mourir. Alors le corps, beaucoup de fois, il va s'adapter à cette articulation, à ces muscles, à l'articulation mandibulo-temporelle. Et s'il y a un changement dans notre système dentaire ici, ce changement va tout de suite se refléter sur la colonne vertébrale et avec toute la, sur, comment dire, ce lien du vertèbre, des muscles, de la chaîne musculaire derrière, tout le corps peut changer. Il y a beaucoup des fois des asymétries au niveau claviculaire, au niveau des épaules, au niveau de la colonne vertébrale qui sont dues à cette contraction. Et alors on fait quoi? On va aller chez l'ostéopathe. L'ostéopathe va bien nous aligner, c'est magnifique, c'est très bien. Sauf que si l'ostéopathe n'a pas travaillé cette articulation, sauf que si l'ostéopathe il vous a pas donné des exercices à faire pour éliminer le facteur qui a provoqué tout ce déséquilibre sur le corps, ce déséquilibre va revenir après parce qu'on n'a pas résolu le facteur qui a provoqué toute cette déséquilibre dans le corps. Et voilà, en fait, il y a des... Et pour ça, j'ai dit, Véronique, écoutez, ce qu'on a fait, nous, en travaillant les muscles de la mastication, le corps a compris ce message et le corps, si là, on a éliminé le facteur qui provoquait toutes ces tensions sur les vertèbres cervicales, tous ces déséquilibres dans les muscles du cervical, le corps, il a commencé tout de suite à s'équilibrer tout seul. Parce que notre corps, comme je vous ai dit, imaginez ça, une balance.
Ça, c'est notre corps. La santé de notre corps, c'est une balance. Là, on a toutes les choses de la pathogénèse, les choses destructives, et là, on a les choses de la sanogénèse, les choses régénératrices. Et alors, si les facteurs de la pathogénèse sont plus grands, le corps va se détruire, va se déformer, va se déséquilibrer plus vite, et tous les systèmes dans le corps vont se déséquilibrer. Si on a les facteurs de régénération plus haut, là le corps il va dire ah, je dois mieux équilibrer, il y a un petit déséquilibre ici, je veux le régler. Il est aligné à la colonne et vous voyez, même les filles, si vous avez des contre-indications pour travailler le cou, vous pouvez travailler cette articulation et le corps va s'équilibrer. Bien sûr que on n'a pas résolu les problèmes du visage seulement en travaillant cette articulation. Un peu, on a résolu, mais le corps, d'abord, il va penser à la santé et après à l'esthétique. Pour ça, mes beautés, le message d'aujourd'hui, même quand vous partez en vacances, parce que maintenant c'est beaucoup de vous qui vont partir en vacances, si vous partez en vacances, si vous n'avez pas du tout le temps pour travailler, travaillez les muscles de la mastication. Sur ma chaîne YouTube, pour ceux qui n'ont pas de moyens d'acheter un programme, sur ma chaîne YouTube, il y a beaucoup d'exercices sur les muscles de la mastication. Dans le programme basique, c'est le travail. Génial, vous avez un travail extraordinaire dans le programme basique parce qu'on travaille l'articulation mandibulo-temporelle avec les cervicales ensemble. Et on va résoudre tout de suite le facteur et on va aller amener dans le corps un équilibre général. Et là, le corps, il va penser aussi à notre beauté. Vous voyez, ça, je voulais vous dire toujours, même pour les filles qui n'ont pas les moyens pour acheter le programme Taping. Sur ma chaîne YouTube, il y a la vidéo d'application du tape sur les muscles de la mastication. Faites l'application sur les muscles de la mastication. Voilà, c'est ça que je voulais partager avec vous. Je suis vraiment très contente. Il y a beaucoup, beaucoup de messages de cette façon. Dorina, je travaille avec ton programme basique et déjà dans la première semaine, j'ai pas mal à la tête. Déjà dans la première semaine, je vois que je me sens mieux, que je tourne mieux, que je suis plus légère. Mais bien sûr, parce que notre corps, il a besoin d'un petit aide. Et si on va l'aider de cette façon, on va l'équilibrer en fait. Moi, je dis toujours pendant les consultations, l'ostéopathe, c'est magnifique. C'est magnifique de voir de temps en temps un ostéopathe. Sauf que pour avoir vraiment un effet, un bon effet, il faut, de tous les mouvements qu'il fait l'ostéopathe, il faut être marié avec un ostéopathe, il faut qu'il vous travaille tous les jours. Si vous n'êtes pas marié avec un ostéopathe, voyez l'ostéopathe de temps en temps. Faites les exercices du programme basique et là, vous allez équilibrer votre santé. Et comme effet secondaire, vous allez rajeunir votre corps et votre visage. Parce que voilà, le but, d'abord, c'est être en bonne santé, mes beautés. Voilà, c'est ça pour aujourd'hui. Je vous fais un gros, gros, gros bisou. Ah, et pardon, j'ai oublié de vous dire. Je ne sais pas quand, mais j'ai oublié la date. Il y a un webinaire très important. En fait, dans la prochaine vidéo, je vais vous expliquer quel type de webinaire on va avoir le mois prochain. Non, ce mois, c'est le mois de décembre. Mais je pense que vous avez reçu les mails. On va mettre aussi le lien du webinaire dans la description de la vidéo. Il y a un webinaire très important ce mois. Il y a un webinaire exclusif. Le plus important que vous devez premier commencer avec ça parce que vous allez voir le titre du webinaire, c'est très important. Dans la prochaine vidéo, je vais vous expliquer quand même, il n'y a que 30 places. Alors voilà, les filles qui sont les plus, qui ont décidé de prendre vraiment la santé et la beauté dans ses mains, c'est pour vous ce webinaire. Voilà, gros bisous et on se voit dans la prochaine vidéo. Ciao mes beautés.